Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous préparez la rentrée. Peut-être que c'est la fin des vacances pour vous, vous avez repris le travail. Voilà, donc comme je vous l'ai dit hier, j'avais envie de proposer un nouveau format parce que vous savez que j'aime apporter du changement, de la nouveauté. Voilà, donc je vais appeler ça « message de votre autre ». C'est-à-dire que c'est une canalisation en direct. Donc, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Donc, j'ai tiré déjà plusieurs cartes que je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce tas. Voilà. Et donc, je vais vraiment canaliser les messages donc, de la personne de votre cœur à cet instant T. Voilà, je rappelle, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. J'espère que ce format vous plaira. Merci infiniment pour vos likes. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires. Ça me motive énormément à poursuivre ma mission de vie, on va dire. Voilà, pour vous aider à cheminer avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et surtout beaucoup, beaucoup d'humilité. Parce qu'il faut en avoir dans ce qu'on fait. Voilà, peu importe ce qu'on fait, mais toujours avoir beaucoup d'humilité. Voilà, quoi dire d'autre? Ah oui, si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous pouvez m'écrire à lily-et-la-beauté-des-anges@gmail.com. Allez, c'est parti! Ta-ta-tan! Surprise, surprise! Allez! Voilà, je t'attends. Je t'attends, même si pour l'instant je ne donne pas forcément de nouvelles. Si je me suis éloignée de toi, il faut que je règle des choses dans ma vie. J'ai besoin de prendre du recul. J'ai l'impression que tout stagne dans ma vie en ce moment. Voilà, c'est compliqué pour moi. Je te demande de ne pas me juger ou de ne pas juger ce que je peux laisser paraître, car je porte des masques afin de me protéger. Peut-être que je fais n'importe quoi à certains moments, mais c'est parce que je cherche ma voie. Je ne sais pas trop où aller. J'ai vraiment besoin de faire le point dans ma vie. Et pourtant, tu es tout le temps dans mes pensées et je ne veux surtout pas que tu croies que je me moque de toi ou que je joue avec toi. Ou que certains événements peuvent te laisser penser que je ne suis pas quelqu'un de vrai. Je te demande donc de cheminer à ton propre bonheur. Voilà, de te faire plaisir. Vraiment d'accéder à ton propre bonheur. Voilà, j'essaye dans ma vie là de cheminer déjà tout seul. D'essayer de déjà d'accéder à mon propre bonheur. Oui, tu me manques. Oui, j'ai peur de te perdre. Donc par moments, j'essaye de prendre de tes nouvelles via les réseaux sociaux ou peut-être même en visuel. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Voilà, j'espère que tu ne m'oublies pas
Parce que moi, je pense beaucoup à toi, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt. Sûrement, on va se rencontrer, voire même se croiser. Je suis persuadée au fond de moi que la vie va nous permettre de nous retrouver. Et plus vite que tu ne le penses. C'est vrai que je te demande de la patience, mais c'est là pour t'aider à cheminer, pour t'aider à t'élever, ainsi que moi-même. Mais je sais, je me prépare parce que je sais que l'on va se retrouver. Je laisse faire le timing divin. Je veux me réconcilier avec toi. C'est pour ça que je prends du recul parce que j'ai peut-être été trop loin certaines fois. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi que je veux. Que j'aime. Voilà, je suis plein d'espoir pour nous, pour toi, pour moi. Et je travaille vraiment sur moi pour mieux te retrouver. Travailler sur les points sur lesquels je dois travailler pour guérir. Oui, pour moi, tu es une super héroïne. Tu es une super woman. Je te vois étincelante, rayonnante. Tu peux, voilà, comme si tu avais tous les pouvoirs entre tes mains. Je te vois forte. Je te vois, oui, comme une déesse. Et pour l'instant, je ne me sens pas encore à la hauteur. Voilà, mais sache que des fois, peut-être j'ai eu des paroles blessantes, mais je ne pensais pas ce que je disais. Parce que pour moi, tu es tout. Tu es vraiment tout. Oui, j'ai des doutes. Oui, j'ai des peurs. C'est pour ça que je prends du recul. Car j'ai besoin de guérir. J'ai besoin vraiment de faire le point sur moi, de poser mon mental, mon ego, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de douter de ton amour et du mien aussi, parce que cet amour me fait peur. Voilà, je suis loyale envers toi et en tout cas, je travaille à être vraiment loyale, à être authentique, déjà envers moi-même, donc envers toi. Je ne joue pas, je ne joue pas. Je ne veux pas te blesser, je ne veux pas te faire de mal. Peut-être que tu as l'impression que je joue avec toi, mais ce n'est pas du tout ça. C'est parce que je manque de confiance en moi. Tout simplement. Je me prépare pour te dire combien je t'aime, combien tu représentes tout pour moi. Je travaille à mes émotions, à mes sentiments, à tout ce que je ressens pour toi. Voilà, sache que je t'aime, que pour l'instant je ne t'ai peut-être pas encore déclaré ma flamme, mais je vais venir vers toi pour te dire que je t'aime, pour te parler à cœur ouvert, que tu es mon autre, tu es ma destinée. Je t'aime tellement, si tu savais. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à te le dire. Donc je passe par ce biais déjà pour te dire que je t'aime réellement, profondément, sincèrement.
Bientôt, on retrouvera le calme, on sera apaisé, on sera dans de belles énergies. Je travaille à ma quiétude pour mieux revenir vers toi. Voilà, j'en ai des frissons. Une très belle canalisation. Voilà. Écoutez, je pense que de toute façon, j'en ferai à peu près une, voire peut-être plusieurs par semaine. Sachez que j'utiliserai à chaque fois peut-être des oracles différents. Vous savez, ça dépend suivant mon inspiration du moment. Voilà, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment uniquement ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Sentez comment votre corps réagit. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Bon, j'espère que ce format vous aura plu. Prenez soin de vous, travaillez à votre propre bonheur. Je vous envoie de très très belles énergies et je vous souhaite une belle journée lumineuse. Croyez en vous. Bye bye.